شوية أنا عليك وانتي ليا بالحرية والديمقراطية لو صنع دون دون كوبوب يهدون بيا بولسولو لو جنوبي دبيني كالمونة تلقانا قوي Não existe fronteiras para quem cultiva amizade com a respeitando a mãe natureza, renascer com todo esplendor, se inicia uma nova era de um só povo sem razão. fuiste a ver de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas feliz solamente. Tengo ganas de ti, hoy yo tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor junto cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy yo tengo ganas. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor junto cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más salvado que saber que te perdí. Hoy buscando en la noche el sonido de tu voz. Y donde te escondes para llenarte de ti. Llenarte de ti, llenarte de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas feliz solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy yo tengo ganas. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor junto cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy yo tengo ganas de ti. Yo tengo ganas de ti. Bonjour Manuela. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur l'invitation de Musique Sans Frontières? Comment s'est déroulée cette participation à cet événement? Alors moi, déjà Musique Sans Frontières, je la connais depuis très longtemps parce que c'est en partie grâce à eux que j'ai pu commencer ce domaine musical, on va dire, et débuter dans le monde de la musique. Et donc Donc quand on m'a proposé de faire ce projet, du coup, j'étais super contente, j'ai tout de suite dit oui. Parce qu'en plus, avec les circonstances en ce moment, à cause du coup du confinement, du coronavirus, etc. Donc ça a été pas facile pour tout le monde et on a besoin de redonner un petit peu de joie, surtout pour la fête de la musique. Et je pense que tout le monde doit faire de même et nous, du coup, on fait ça avec la musique. Et c'est ce qui nous correspond le mieux et du coup, ça nous fait kiffer et aux gens aussi, j'espère. Et du coup, voilà. Merci Manuela. Je vais faire une chanson qui s'appelle Mahra Gensa, qui dit ceci en langage imaginaire. L'air vacille dans la plaine, emplie de feu et de soleil. L'attente de la pluie dansante au loin a pris racine. Dans une longue et lente respiration, un jour fatigué apporte les vents et les nuages sur son dos. Les paupières blondes et sèches se ferment et l'eau embrasse la terre. Il pleut. Marion, bonjour. Tu fais partie des invités comme Manuela, Juanito, Emmanuel par Musique Sans Frontières. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de participer à cette aventure, à cet événement? Alors, je dois dire que Fethi et Fred Tari, Fethi Tabet, ce sont des personnes qui m'ont accueillie il y a à peu près un peu plus de 20 ans quand j'ai commencé la musique, et c'est des gens qui ont été importants dans ma vie musicienne Et on est toujours resté en contact et j'ai appris beaucoup de choses et d'ouverture. Et j'apprécie énormément le travail qu'ils font aussi socioculturel, qui est hyper important, de mixité, des styles, des cultures. Donc quand Fred m'a appelé Fethi, déjà ça m'a fait très plaisir, vraiment. Parce que voilà, moi aussi, le confinement, on ne joue pas en ce moment. C'était l'occasion de revivre ça, ce pourquoi, en tout cas moi, je suis là sur cette planète, pour faire de la musique avec des gens. Donc voilà, c'est tout simple, c'était juste du bonheur, un petit bonheur comme ça aujourd'hui. Voilà, merci à toi. Mon amour, mon amour. Las palabras de Dios, llorando por ti, es con amor. Yo quisiera para entender. Las palabras de Dios, llorando por ti, es con amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré yo de ti, que sin tus besos yo no puedo vivir y recordar. Para ya vivir junto a ti, me enamoré yo de ti, que sin tus besos yo no puedo vivir y recordar. Yo quisiera para entender el amor que hay en ti, que me querías. Palabras del Señor, llorando por ti, es con amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré yo de ti, que sin tus besos yo no puedo vivir y recordar. Ay, loray, 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 loray. Juanito, bonjour. Tu fais partie de cette aventure et des invités de Musique Sans Frontières. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire quelques mots sur cette participation? Déjà, Fethi, je pense que je le connais, si ma mémoire est bonne, avant qu'il y ait Musique Sans Frontières. On a joué On est allé en Palestine, on est allé en Israël, on a fait plein de pays ensemble. On a kiffé, comme elle dit Manuela. Et ça a été simple parce que j'habite pas loin de Musique Sans Frontières. Je suis juste à côté. Je vois tous les jours Fethi. Et Fethi m'a dit, est-ce que tu fais quelque chose? J'ai dit non. Franchement, avec le confinement et tout ça, comme dit Manuela, c'est vrai que ça a été dur. Et j'ai dit non, je ne fais rien. Avant qu'il finisse la parole de me dire, est-ce que tu veux venir? Ça a été oui. Ça a été oui, bien sûr que oui. Pour faire cette aventure avec Manuela, Djob, le Fethi, que j'adore, que j'aime beaucoup. Et comme dit Manuela, bien sûr que j'espère que tout le monde va avoir autant de plaisir de nous regarder que nous. On a fait cette musique et j'espère que tout le monde va aimer. En tout cas, nous, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé, j'ai kiffé. Et voilà, Musique Sans Frontières, je l'ai dans mon cœur il y a je ne sais pas combien d'années. Et je ne pouvais pas être là, ce n'était pas possible. Voilà. Soy en la mano de la vida. There was a time when I didn't have something to eat, and there was a time when I didn't have shoes on my feet. It was so tough, it was so rough, so hard, but I did survive. It was nice to know that I was in the hands of life. Yeah, now was the time to share all our experiences of life. That wonderful time when we talk about that love that kept us alive, the love of my mother. We will testify, smooth away in a little strife. It won't be easy, but it can be crazy and smart if you open your heart. Now, it is nice to feel that we're in the hands of life. It is nice to feel, nice to feel. It is nice to feel. Oh, it is nice to feel that we're in the hands of life. Mr. Fred Tari. Sing time when I sing the final song, the repertoire. Yeah, yeah. Ashes to ashes, dust to dust, life to life. And the spell of life will be broken by this fire. You may feel sick. Don't be dismayed, don't be afraid. 'Twill be nice to know that we, you and me, same family. In the hands of life. Yeah, yeah. Mm-hmm. It is nice to feel, nice to feel. Do you feel it? Nice to feel. It is nice to feel that we're in the hands of Emmanuel, bonjour. Hello. Hello. Tu fais partie de cette aventure, cet événement du 21 juin aujourd'hui pour ce concert live. Tu as été contacté par Musique Sans Frontières pour ce faire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer et comment s'est passée cette participation justement? Alors, je pense que pour tous les musiciens, tous les artistes qui ont été confinés, tous ont dû se dire la même chose que moi, c'est-à-dire le jour où on reprendrait les chemins de la scène, si on devait rejouer, qu'au moins ce soit avec des gens qu'on aime. Parce que rester 3 mois et rejouer avec des gens ou dans un plan que tu n'aimes pas, mieux vaut rester en confinement. Et là, il se trouve que c'est ma famille qui m'a appelé, ce dont je me sens le plus proche à Montpellier. Et, ça dit tout en fait, ça dit tout. C'est des gens que j'aime voir jouer, avec lesquels j'aime jouer, et déconfiner musicalement de cette façon-là, c'était carrément, comme disent les jeunes, le kiff. Voilà, donc bonne fête de la musique. Ok, bonjour Akli. Akli, tu es responsable de la structure Kaina TV, qui est partenaire de cette diffusion concert live. Comment s'est passé ce partenariat, cet événement pour toi et voilà, cette rencontre aussi avec Musique Sans Frontières? Le partenariat, en fait, c'est pas un partenariat avec Musique. C'est avant tout une histoire d'amitié avec Fethi, avec l'équipe du CCI. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. On est parti dans pas mal de pays ensemble. Il y a eu une proposition de Fethi il y a une dizaine de jours qui m'a dit voilà, on fait ça pour la fête de la musique. J'ai dit allez, on y va. On a tellement galéré pendant le confinement. Là, c'était important qu'on se voit, qu'on chante ensemble, qu'on danse, qu'on ait des moments de partage. Et ça a été une très belle après-midi avec tous les musicos, avec tous les techniciens son et tous les caméramans de Kaina et tous les enfants qui sont là aussi. Alors on a respecté ces consignes de sanitaires, encore une fois, mais le fait de se voir et de partager quelque chose ensemble, c'est une magnifique journée et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. Merci Fethi Tabet. Bonjour à tout le monde. Bonjour Frédéric Tari de Musique Sans Frontières. Bonjour Ben de Musique Sans Frontières aussi, musicien. Nous sommes aujourd'hui réunis avec toute l'équipe de MSF et des invités aussi exceptionnels comme Marion Diaques, Manuela Diaz, Emmanuel Pi Djob, Philippe Grongnet et Juanito Motos. Ils ont été invités par Musique Sans Frontières pour un concert vidéo live qui va être diffusé sur YouTube donc le 21 juin à 19 h. Et j'aimerais vous poser une question, à savoir comment est née l'idée de ce rassemblement de cette façon et comment s'est déroulée la préparation de cet événement. Je passe la parole à Monsieur Tari. Monsieur Tari. Ça fait un moment qu'on a envie, pendant cette période particulière, d'en ressortir avec ce qu'on fait tout le temps nous, c'est-à-dire de la relation humaine et de l'art finalement. Donc on est principalement musicien, mais toute l'année c'est ce qu'on fait. Et comme la fête de la musique va être vraiment particulière cette année, on n'aura sans doute pas les rassemblements dans les rues, les gens qui sont proches, les terrasses, etc. C'était l'occasion pour les gens qui n'ont pas envie de mettre le nez dehors encore trop, d'offrir quelque chose. Voilà. Et d'offrir ce que nous, on aime faire et qu'on sait faire ensemble, c'est-à-dire se retrouver pour faire de la musique. Du coup, Musique Sans Frontières fait ça depuis des années. Hein. Ça fait 40 ans que cette structure existe et que, voilà, avec des musiciens et des artistes différents, des danseurs, des comédiens, etc., on parcourt le monde. Et là, on a proposé à des amis avec lesquels on chemine depuis longtemps de nous rejoindre. Et tout le monde a dit oui très vite. C'est particulièrement pratique parce qu'on est plus disponible en ce moment qu'habituellement. Donc du coup, voilà, on a eu cette chance d'avoir ces merveilleux artistes et amis qui nous ont fait le plaisir, le bonheur de venir jouer avec nous. Voilà. Merci, merci Fred. Ben ? Oui, je sais, moi, j'ai rien à ajouter à ce qu'il a dit. Je pense que ce qu'il a, il a dit l'essentiel de la chose. Disons que l'idée est venue. Fethi nous l'a proposé un jour au centre, je sais pas, on discutait, il nous a dit ben, j'ai une idée, si on faisait le 21, pour le 21 juin, on se faisait un concert virtuel. Alors après de multiples périspéties et de négociations et de propositions de lieux, on a fini par se décider de le faire dans un lieu privé, notamment l'arrière-cour de chez Fethi. J'espère que je ne dévoile rien. Non. Bon. ensuite, la préparation, c'est il a fallu trouver des gens avec qui partager ce moment-là. Et ceux qui nous sont les plus proches sont naturellement ceux qui nous viennent à l'idée. C'est ceux qu'on appelle en premier parce qu'on partage avec eux l'amour de la musique, mais au-delà, le sentiment, le plaisir de jouer ensemble et de communier ensemble dans la musique. Et je pense que c'était une excellente occasion de refaire vivre la musique et de profiter de ce que c'est, de ce qu'est la fête de la musique pour la refaire vivre après 2 mois particulièrement particuliers pour les musiciens. Je pourrais dire. Voilà. Donc, et Fred a dit l'essentiel. Hein. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Et bonne fête de la musique, comme a dit Emmanuel tout à l'heure. صبرنايس في الليالي تتعمو الهوا واتكدر بحماله وي مريا ويا جاي يا تاي في ذني والبيض وانسانو الغرام مصيبته مصيبة سهلة يبلي صغاري الغرام مصيبة سوا وانا اللي جايانو أنا بالله يحبهم وريواني تعبدني وعبد وانساله الورا مصيبته مصيبة سلا يا يبني سالي أنا مصيبة سوا أولي اللي جايلو أنا ملا يحب وريواني يا رجالي يا تايفيدي والفيد وانسالو أنا موني في فعلي ولا مادا ولا فعلي كل ده وكله يتحسب فعلو أنا ملا يحب ويا تايفيدي والفيد وانسالو السابور السبابوالي وما دوار داري وما زول عاشقنا بشوف مجاله بلا رانا حيانا وين جاي لاقي دنيا ظلمة رابط لا يتلاقي دا 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 Merci à tous. Merci à Daniel Moreau au clavier. Merci à Trajano Ferreira Caldas au congas. Merci à Lionel Martinez à la batterie. Merci à Patrice Coppin au saxophone. Merci à Benilde Foucault à la basse. Merci à Frédéric Tari au violon, direction musicale. Merci à Philippe Grongnet. Merci à Juanito, Manuela, Sophie, Marion, viens. On te voit. Merci à Akli, à toute l'équipe. Dis-moi ton prénom, le caméraman. À Mathieu, à Laura, Jérémy, Johan, au sang, merci beaucoup. Fred Bénin, et merci, franchement, on a passé un superbe moment. Merci. Et j'espère encore et encore et encore. Et beaucoup d'amour, de l'amour, de l'amour. Beaucoup d'amour. Merci. Merci. Une dernière prise, non?